À l'instar de la communauté chrétienne du monde, celle du Mali a célébré la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à travers la veillée pascale. Dans son homélie du jour, devant les milliers de fidèles venus commémorer la victoire de la vie sur la mort, le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, a invité les Maliens à la paix et à l'union. Et dans la nuit de ce qu'il y a de plus sombre, de plus ténébreux, de plus opaque, comme les maladies, l'insécurité, la violence sous toutes ses formes, la pauvreté, le chômage, les discriminations raciales, sociales et religieuses, le Seigneur fait surgir la lumière de Pâques sur nous. Intervenu après 40 jours de jeûne observé par les fidèles chrétiens, cette fête de Pâques est placée sous le signe du pardon et de la paix. Vous avez vu comment on a dansé, comment le peuple de Dieu a dansé, n'est-ce pas? Crier sa joie, en même temps se confier bien sûr au Seigneur pour que cette année, jusqu'à l'année prochaine, la fête de Pâques se passe dans la paix, dans la joie, dans la concorde, dans l'attente entre tous les Maliens et tous les Maliennes. C'est là qu'il me... Moment de pardon pour la communauté chrétienne, la fête de Pâques est aussi un moment de partage, de paix et de cohésion entre les Maliens. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, je me sens ressuscité avec le Saint-Esprit et avec Jésus-Christ. Et cette fête, c'est une fête qui ramène la joie, la paix dans les familles. Et mon impression ce soir, c'est que toutes les familles ici présentes aient la paix, la joie au retour dans leur domicile. Les Mali, c'est tous les problèmes que nous traversons et l'humanité tout entière, les guerres. Donc on espère qu'avec la résurrection de Jésus-Christ, la paix puisse revenir dans le monde entier. Président de l'Eucharistie, le cardinal a eu une pensée au père Ayo, un missionnaire allemand enlevé à Bamako en novembre 2022. Cette veillée pascale a été l'occasion d'accueillir de nouveaux fidèles à travers le sacrement du baptême.